Bienvenue à Ladoux. C'est ici, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, que Michelin, l'un des leaders mondiaux du pneu, développe des modèles équipant toutes sortes d'engins, de la voiture au tracteur en passant par la moto. Et le but aujourd'hui, eh bien pour une fois que Michelin ouvre ses portes, c'est de nous démontrer que des pneus de bonne qualité usés fonctionnent avec des performances supérieures à celles de pneus qui vont être de moindre qualité, même neufs. Volant en main, nous avons notamment pu constater que sur revêtement mouillé, les performances d'un pneu bas de gamme neuf ne seront pas meilleures que celles d'un pneu de bonne qualité ayant atteint les limites d'usure justifiant son remplacement, et ce tant en matière d'adhérence latérale que de freinage d'urgence. À cela s'ajoute le fait que sur route sèche, cas de figure qui représente la majorité des conditions de circulation, la qualité du freinage s'améliore très sensiblement avec l'usure. Plus le consommateur va garder ses pneus longtemps, même jusqu'au témoin d'usure, à 1,6 mm, plus sa sécurité sur sol sec s'améliore. Or, il est intéressant de noter que, même par exemple à Londres, aujourd'hui, on roule 70% des jours par an sur des routes sèches et pas des routes mouillées. Quand on va commencer à donner cette information aux clients, ça va pousser l'industrie du pneumatique à améliorer cette performance. Et donc demain, en ayant des comparaisons, ça va forcer les constructeurs de pneus à travailler sur la performance du pneu quand il est usé, et donc forcément au bénéfice du consommateur à la fin, qui sera de toute façon plus en sécurité. La morale de cette histoire, c'est que certaines performances des pneumatiques s'améliorent au fil des kilomètres, et donc il est inutile de procéder au remplacement de vos pneus avant que ceux-ci aient atteint le seuil d'usure, le témoin d'usure. Et d'autre part, il faudrait désormais que les pouvoirs publics, les manufacturiers, se mettent d'accord pour procéder à des tests sur le sec, sur le mouillé, avec des pneus à la limite d'usure, car c'est là que réside la vérité d'un pneu.